Les artistes comédiens burkinabés ne ménagent pas d'efforts pour apporter le sourire sur le visage par leur talent. À l'avènement du spectacle Bonne Année de cette année, ils étaient nombreux à faire rire le public par leur talent. Certains sont débutants dans le métier et d'autres, comme Philomena, ne sont plus des visages nouveaux. Je suis resté dans ça jusqu'à un matin. Bingo, il a écouté mes prières. Premier rendez-vous, on arrive, on a assis sur la Yéry seulement. C'est moi qui ai misé pourquoi Yéry. À un moment donné, il entend Yéry, il y a quoi? Il dit non, en fait, c'est parce que j'ai peur des filles qui ont brèche dans les lits. Et puis, ma maman et mon papa m'ont toujours dit de me méfier des filles qui sont excisées, de ne jamais épouser une fille qui est excisée. Je dis, tu as parlé d'épouser quelqu'un ici. On te dit qu'il y a quelqu'un qui tient une ordonnance. Moi, je parle de marier. Et puis, il y a des choses, quand tu ne sais pas, là, il faut te demander, on va te dire. Non, demandez, il y a des hommes qui sont là, ils ne demandent pas, vous ne savez pas, demandez. Entre une fille excisée et une fille qui n'est pas excisée, là, où est la différence? Où est la différence? Mais il n'y a pas de différence. La seule petite différence qui n'est même pas visible à l'œil nu, c'est qu'il y a une qui a de l'endurance. Elle peut facilement grimper jusqu'au 7e étage de la femme. Pendant que l'autre est toujours au rez-de-chaussée en train de se renseigner, de passer où? Parmi les jeunes comédiens figure Aladji Kliachi qui n'a pas eu besoin d'aller loin pour faire rire le public. Papi, tu comprends pas, il est bleu bleu. Non, tu vas comprendre, chez nous au Burkina ici, si c'est pas robe, c'est culotte. Ah, non, policier, les gens vont. Yeah. Ah, Rome 3 millions. Salam alaikum, alhamdulillah, ma ishi, à Karakanari, à Toma, de Dahi. Salam alaikum, à Brussel pour vous. Moi, j'adore les policiers. Tu fais 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans avec un policier. Vous mangez dans même assiette, wallahi, Allah. Il n'y a rien. Mais il n'a qu'à attraper ton moto. Il n'a qu'à attraper ton moto. C'est là que tu vas comprendre. Qu'il y a policier et puis il y a policier. Mais moi, dans mon quartier comme ça, quand on attrape un policier, un voleur comme ça, on ne tue pas le voleur. Non. Ce qu'on fait là, c'est plus que prison. On attrape un policier, on en a son chaussi, on met l'eau dedans, on donne à voler là, il boit. Si il a bichat là, il ne va plus voler encore. C'est bichat. Yougos, c'est vrai, non? Mais moi, Al-Hadji Kliachi, j'étais un bandit. Un grand bandit. J'étais un grand bandit. Momo l'intellectuel, comme on l'appelle, a participé à cet événement grâce au soutien et aux encouragements de celui qu'il appelle affectueusement Papa Jeunesse. En fait, ce qui m'a plus motivé, c'est mon père que j'appelle affectueusement Papa Jeunesse. Et quand je commençais, il m'a dit, parce que l'année passée, j'ai participé, j'ai échoué. Et j'ai dit, c'est pas bien de tout le monde, je ne me sens pas prêt de participer, il m'a dit, vas-y, c'est le moment, c'est le moment. Donc, il y a lui et toutes ces personnes-là qui m'ont dit, vas-y, c'est le moment. Je suis motivé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre, ma vie a changé. Seigneur, est-ce que vous savez que le 31, ce qui m'est arrivé? Je vous en dis. Le 31, ce qui m'est arrivé. J'ai croisé une fille, il m'a pas gêné. Bonsoir, ma chérie. Comment vous appelez? Il dit, mon nom, c'est Cara. Il dit, ouh, mais t'es un joli nom. Est-ce qu'il peut avoir votre numéro? Elle s'est m'a répondu. Elle s'est m'a regardé même. Deux ici, c'est pour moi. Et ton numéro là?
Et ton numéro là. J'ai parti à l'église. Mais ton numéro et ton numéro là, on est rentré à l'église. Pourtant, je suis musulman.
Sarawak, c'est le pays de ce truc-là, je l'ai dit, tout ça, tout ça. Et quand j'ai commencé au début, personne n'a appris en moi. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais à toute sa passion, qui m'a donné leur confiance, qui me suit depuis longtemps, qui m'encourage à tout moment. Et voilà, je suis heureux pour eux, en tout cas, en même temps.